Bonjour les amis, bonjour à tous, bienvenue aux nouveaux arrivants qui sont abonnés à ma chaîne. Aujourd'hui, on continue notre série sur Valley of Greatest Farm V1.4. J'ai recommencé à zéro hors vidéo parce qu'il y a eu une mise à jour entre temps. Donc j'ai recommencé, je me suis arrêté là où on était arrêté. Mais je vous en dire plus après l'intro. À tout de suite. Donc voilà, donc comme je vous disais, là on continue notre carrière sur un Valley Crest Farm. Là aujourd'hui on va surtout s'occuper, vu qu'on a du blé, on va s'occuper de nos poules. On va peut-être en acheter aussi, ça serait bien. Ce serait peut-être mieux. Là, nos poules, et voir si on a le temps de se préparer les poissons. Donc les poules, on va s'en acheter 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10, 11, 12, 13, 14, 15, voilà, 15 et un coq. Et voilà, fermer nos cocottes, nos poules et nos cocos qui sont prêts. Les balles, j'en ai oublié une, j'ai oublié d'arranger celle-là. Hein. On verra ça à la fin si on a le temps. Là faut que je pense surtout, faut qu'on s'achète une cuve à eau parce qu'on en aura vraiment besoin pour ce qu'on a à faire, et on a intérêt de commencer à se faire des rentrées d'argent parce que là l'argent descend. Il va falloir qu'on remonte tout ça parce qu'on n'a pas encore le matériel pour travailler les champs, pour travailler la terre, encore rien. Donc il va falloir qu'on s'occupe de tout. Sinon, j'espère que vous avez passé un bon week-end et que vous vous portez bien lors de ce confinement-là. Quant à moi, ça va tranquillement mais sûrement. Je tiens à vous remercier pour les beaux commentaires et les likes que vous me laissez. Fait vraiment très plaisir de votre part. Ça, je vous en remercie de tout cœur pour tout ce que vous m'apportez. Ça m'encourage à continuer dans les vidéos, vos beaux commentaires. Je suis même en train de vous préparer une série assez spécial, mais pour l'instant je trouve pas la map adéquate. Je vais peut-être vous préparer une série en roleplay, faire du roleplay, mais le problème, j'ai pas encore la map, la belle map. Bon, ah, bien évidemment pour les poissons, je fais une bêtise là. On les trouve à côté du champ 26. Là, ou allez, voilà, ou il nous faudra dans votre commande de water, c'est de l'eau, barley c'est de l'orge, et maïs c'est du maïs pour avoir des poissons. On va ramener tout ça. C'est pour ça que j'ai acheté la cuve, la tomahawk, et on va s'occuper de tout ça. Donc c'est pour ça que là aujourd'hui il y a du boulot dans la vidéo. On va voir ça ensemble pour se préparer nos petits poissons. Bien évidemment, je tiens à vous informer que cette map a quelques petits bugs. Alors ça, comme beaucoup de personnes l'ont remarqué, au niveau de la fabrique de palettes et la fabrique de planches. Il y a un gros problème avec cette partie-là. Pour faire des palettes, il faut des planches. Et pour faire des planches, il faut des palettes. Donc c'est une histoire sans fin. Donc pour ça, on verra comment on fait. Peut-être que d'ici là, il y aura peut-être une
notre mise à jour qui fonctionnera, qui sera sortie. Bon, on ne sait pas. Vous voyez là où ce que je vide? Déjà, on a vidé l'orge. On va aller chercher le maïs. Et après, on ira. Alors, il faudrait peut-être aller chercher la tomao. Le temps que ça se remplisse. Ça, sans moi, ça aurait été fait. Mais bon. On en tire un peu en cas où. Bien évidemment, je vous avais dit aussi, si vous voulez que je fasse des vidéos sur un jeu que j'étais pendant un temps dessus. Le jeu s'appelait Ark. Mais finalement, le jeu, je l'ai retiré parce qu'il faisait trop de conflits avec mon PC. Donc, je ne comprenais pas du tout. J'ai pas compris le pourquoi du comment. Mon PC s'est mis à. Depuis que j'ai installé, il se mettait à ramer, tout ça. J'avais énormément de mal pour aller sur Internet. Je pouvais rien faire avec. Donc. Et puis que je l'ai retiré, ça va beaucoup mieux. Donc, pour l'instant, on restera sur Farming. Le temps d'attendre la sortie de Lumberjack Dynasty. Normalement, qui va voir le. Qui verra le jour le 30. Cette semaine, bien évidemment. Le 30, normalement, ça tombe un jeudi. Ah non, si je vous dis normalement, c'est que moi, maintenant, je reste sur mes gardes. Parce que c'était déjà un jeu qui devait sortir déjà l'année dernière, le 27 novembre. Et comme vous pouvez voir, il n'est jamais sorti. Il n'est jamais sorti le 27 novembre. Et là, ils ont donné une deuxième date. Le 30 avril, donc je préfère attendre pour voir si il va vraiment sortir ou pas. Donc nous revoilà encore au poisson. C'est pas dur pour vider le maïs, c'est pareil, c'est le même endroit, mais le compteur c'est différent. Ceux de droite, vous allez voir par vous-même. Voilà, là c'est en train de se charger. Et pour la Lolo, bah, ça sera encore à côté. Yep, voilà, on sait que je vais. Donc là, on va peut-être ramener la remorque à la maison. Yep, petite vue intérieure qui va bien. Là, on va ramener cette remorque-là à la maison. Allez, au concessionnaire, chercher la Tomahawk. Remplir de flotte et ça sera bien. Donner à boire aux poissons, même si je comprends pas pourquoi qu'il leur faut de l'eau, parce que les poissons vivent dans l'eau. Donc ça, j'arrive pas à comprendre cette histoire. Ils vivent dans l'eau, il faut leur donner de l'eau. Ouais. Bah c'est pas grave, on va leur donner quand même. Pensons après tout, c'est qu'un jeu. On va pas, faut pas chercher, des fois, faut mieux pas chercher à comprendre. Et je vais y arriver, moi. Petite marche arrière. Vraiment très petite marche arrière. Voilà. Direction le concessionnaire. Le concessionnaire pour la Cuvao. Après, de la Cuvao, il faut revenir ici pour le remplissage. Aïe aïe aïe. Et ben. Après le remplissage, on va au poisson. Après, ça, il n'y a plus qu'à attendre. Ah! Mais il y a des stops partout ici. Et je me demande si je me suis pas encore planté de route, comme d'habitude.
ça va être par là. De toute façon, on dit tous les chemins mènent à Rome. Et ça, je savais, c'était pas là. Voilà. Et comme je disais, moi le GPS, ça fait deux. On est plus ennemi que ami. Ah, voilà. Bon. Eh ben. Nous y voilà. Le notre Tomahou. Bon, toi t'attendra pour traverser. On n'a pas le temps. On va tourner là, on va regarder derrière. Et on est reparti. Là, comme je vous disais, c'est la direction, le corps de ferme pour le remplissage de flotte. C'est quoi, je vais. Après, ce sera les poissons. Les petits poissons. Un petit poisson. Vu la taille des trucs. Et, ils sont pas si petits que ça, les trucs. Hein. Bon. Sinon, à part ça, j'espère que vous. Oui, je vous ai demandé, mais j'espère que vous portez bien. Que la santé et tout. Que tout va pour le mieux chez vous. Sinon, comme vous voyez, comme je vous disais pour le roleplay, si vous avez des petites maps assez réalistes à me proposer en commentaire. Je suis ouvert à toute proposition de map, bien sûr. J'étudie ce qu'on me proposait pour rester bien évidemment dans du roleplay, faire vraiment le corps de ferme assez réaliste. Pas une grosse map de préférence. Donc voilà. Donc, on ouvre le bouchon au-dessus et l'eau se trouve au-dessus, enfin se trouve ici, au-dessus. Oh là. Voilà, ça c'est en train de se remplir quand vous voyez en bas à droite. Même s'il manque l'animation de l'eau qui coule, c'est ce qui est dommage. J'aurais trouvé ça assez sympa. Une petite animation comme ça. Mais bon. Ça. C'est pas bien grave. Le temps que ça se remplit, c'est le principal. Je pense pas qu'on va se remplir complètement la Tomahou. Parce que sinon on va se mettre un. Ça va mettre un sacré temps pour se faire. Parce que là on est qu'à 53%. Je pense que ça sera bon, on va leur ramener ça. On ferme. Et on y va. Là, on repart pour les poissons. Ça, dans les prochaines vidéos, on s'occupera peut-être de la vente. Soit de la vente ou soit de l'achat des. Du matériel pour préparer nos champs, bien évidemment. Parce que le but de cette série, c'est de se faire de l'argent sans cheater, sans tricher ni rien. Bien évidemment, c'est le but de cette petite série. On est déjà au deuxième épisode de la série. En espérant que ça vous plaît toujours. Et ben voilà. Donc pour l'eau, c'est le petit carré que vous voyez là. Mais évidemment, on avance. Hop. Et voilà. Alors,
sur mon ouais, le compteur en haut de l'écran à droite se remplit sans problème. Et voilà. Donc les poissons, la taille des poissons qu'on voit en face. Ça nous donne quoi? Ça nous donne l'eau, ça se remplit. Le barley, je vous dis, c'est de l'orge et maïs, c'est maïs. Et les poissons commencent déjà à produire. Pas mal. Vous voyez, c'est toutes ces dalles-là, c'est la production de poissons qui va se faire. Et bon, ça, on va laisser faire, tranquillos. On reviendra dans la prochaine vidéo ou dans les vidéos à venir. Ça, on verra bien. On va pas tout se faire dès la première vidéo. Enfin, dès la deuxième vidéo, je veux dire. On va pas tout se faire d'un coup. Parce que, hein, on n'accélère pas le temps, on n'accélère rien. Ça sert à rien. On se fait ça normal en vidéo, bien sûr. Là, on va se lâcher cette citerne à la ferme. Donc, j'y pense, on va se ranger ensemble la dernière balle de paille qui travaille dans le champ. Faut que j'y pense. Ah oui. Je range les balles avec le bâtis de fourche. C'est pour ça que vous ne voyez pas de plateau dans la ferme. J'ai tout rangé les premières au bâtis de fourche. Ça va super bien, je trouve. Ça va même encore mieux qu'un plateau. Vous allez voir ce que j'ai déjà fait. Tout ce que vous voyez là, tout ce que j'ai ramené avec les fourches, et ça va super bien pour les retourner, les prendre. J'ai pas bien pris parce que non, parce que j'ai pris sur un pic au lieu de deux. C'est pas grave. Voilà, on va mettre ça par terre. Bien la reprendre parce que sinon l'autre pic à côté va rechoper la deuxième. Et c'est une histoire sans fin. Et voilà. Mais non, 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 voilà pas. Si tu veux bien me lâcher, ça sera gentil. Et voilà. Bon, plus qu'à ranger le tracteur à l'hangar de la maison. Et voilà. Donc. Faut être bien organisé. Ça sera toujours ça de fait. Voilà, bien évidemment on va plier, on va poser les fourches, ça sera moins dangereux pour passer. Voilà, et voilà les amis, c'est déjà l'heure de la fin, c'est déjà l'heure de se dire au revoir, mais on se reverra dans la prochaine vidéo, si vous le voulez bien. Allez, ciao, bye bye.